Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du Bourdon News. Nous allons rejoindre le centre socioculturel au terrain d'aventure de Malherbe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sous ce tipi ? Alors bonjour TV Bourdonnette, alors nous sommes donc au futur terrain d'aventure de Malherbe et avec un thème le Far West. Donc ici dans le tipi, on s'imagine être des Indiens, hein, les enfants. Alors on a chanté, on s'est maquillé, on a dansé, on a appris à faire du feu sans allumettes et puis on se raconte des histoires, on joue de la musique. C'est très sympa. Et juste dehors, il y a donc Enrique qui fait du tir à l'arc. Joachim qui est en train de construire un saloon avec les cowboys et les cowgirls. On a un bar tenu par les bénévoles de la Bourdonnette. Et puis des jeux, anciennement la roulotte enchantée. Et quoi d'autre? On fait des dessins, on joue, on parle. On fait de la soupe aux orties pour ce soir. Donc ce soir, il y a des grillades. Et puis, il y a beaucoup de gens qui viennent, des petits, des grands, des adultes. C'est très sympa. Un mélange, il y a des gens de la Bourdonnette, il y a des gens d'ici, il y a des gens d'ailleurs. Il y a des gens de partout, ça c'est sûr. Cette nuit, il y a des enfants qui vont dormir sous le tipi. Il y a un groupe d'enfants de Malais et un groupe d'enfants de la Bourdonnette qui vont dormir cette nuit sous le tipi. Et puis demain matin, on se retrouve et on fait un petit déjeuner. Les parents sont les bienvenus, les gens du quartier aussi, voilà. On se retrouve à la rentrée comme d'habitude avec plein de belles choses. Les mercredis après-midi ouverts à tout public. Plein d'activités gym pour les dames, Zumba, fitness. Et puis du bricolage le jeudi après-midi. Et puis de l'accueil le vendredi soir. Et un studio de musique que plus de gens pourraient venir utiliser. Et des salles à louer, et plein de bonne humeur, voilà. C'est ça le son de la Bourdonnette. Et l'année prochaine, on va fêter les 40 ans. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous donner un coup de main, des idées de manifestations, voilà. Voyage à bord d'un drone vous propose de visiter la Sicile. Relaxer avec la minute zen. Thank you.
sorties cette semaine, on verra deux reportages de Carrefour Magazine. Un qui s'appelle les 15e éditions du FIFDH et les tables rondes sur le racisme anti-noir et les défis genevois. Ensuite, un nouveau Bourdezap, notre zapping du web. Rétro découverte, la rubrique d'Edward, la naissance de Mario et Donkey Kong. Un nouveau court-métrage d'animation qui s'appelle Le Fauteuil. Rapmasters vous propose cette semaine le clip de Comme un flocon qui s'appelle Club. Dans les aventures de Magali et Daniel, on les rejoint en Australie. Il y aura 3 épisodes et on vous quitte avec notre belle nature. On vous souhaite de bonnes vacances et un bon week-end de Pâques. Au revoir.